vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Nice look, back door open, gets the hands on the chance, gives it up, Anthony to the rim. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Deuxième partie, NBA No Limit. On rattaque avec la rubrique du Doc Hunt-Pi, le Doc Hunt-Pi qui va nous faire saliver. Le Doc Hunt-Pi qui va nous faire, qui va nous faire plaisir, voilà. Je manque de mots. On va laisser la parole au Doc Hunt-Pi, puis je vais rattaquer avec la dernière partie de ce talk show, avec les quelques news, avant de clôturer ce show NBA No Limit. Le Doc Hunt-Pi, à toi. Oui, donc on va aller vite, hein. Les auditeurs auront compris cette fois-ci on y est. Oui, oui. On en a parlé depuis des semaines, suspense, on ne savait pas qui jouerait contre qui. Au final, au vu des résultats d'hier, on se demande s'il y a eu des calculs ou pas, parce que c'était tellement compliqué, il a fallu sortir la calculatrice en début, en milieu. Et pratiquement dans les quatrièmes cartons de certains matchs, savoir encore qui affronterait qui. Donc nous en sommes un petit peu là. Ouais. Et que rarement une saison nous aura tenu en haleine jusqu'à la dernière minute. Je dis bien dernière minute parce que la finale dont tout le monde parlait était aussi ce match où l'avantage du terrain a joué pour Minnesota contre la Nouvelle-Orléans. On se dit qu'à domicile, peut-être que la Nouvelle-Orléans n'aurait pas perdu ce match. Mais déjà, chapeau à eux, hein, ils sont allés jusque, ils ont poussé ça jusque dans les prolongations. Ouais. Mais à part cela, à part ces suspens, parce que Phil, l'autre jour j'en parlais entre guillemets, que OKC finalement finit quatrième. Ouais. Donc le débat de l'autre jour, outre leur jeu qui était pas terrible et la souffrance qu'ils ont eue, ils finissent à leur place. C'est juste les Spurs qui ne finissent pas à leur place, parce que dans c'est la logique des choses, c'était Golden State, Houston, les Spurs et OKC. C'était dans cet ordre-là un petit peu les forces en présence. Donc OKC réussit même à prendre l'avantage du terrain grâce à la défaite. Entre le dernier match, qui aurait cru que Portland et Utah se battraient pour la troisième place, mais que le perdant finirait pas quatrième mais cinquième, parce que OKC en affût avait le match le plus facile en recevant Memphis, et Memphis avec que des remplaçants sur le terrain, tous leurs huit joueurs principaux étaient quasiment absents. Donc cette dernière journée, conférence Ouest nous aura fait déceler beaucoup de choses, mais conférence Est, on verra les conséquences un petit peu de certains. C'est là que je me demande, est-ce qu'il y a calcul ou pas, parce que les victoires et les défaites avaient des implications aussi de rencontres. Mais on a eu l'impression que les équipes favorites, à part les Sixers qui eux sont dans leur train d'enfer, on dirait qu'ils ne veulent plus carrément perdre jusqu'à la fin de la saison. Hein. Peut-être qu'ils ne perdront même plus jusqu'en finale. C'est le mal que je leur souhaite. Mais à part eux, les autres, on a eu l'impression qu'ils ont lâché le steak. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, à part Boston qui a retrouvé quelques titulaires qui voulaient se mettre en jambes, les Cavs n'ont pas joué. Ils ont laissé. Les Raptors ont laissé. Quasiment. Les Wizards, on se demandait si en cas de victoire, les Wizards auraient espéré éviter les premiers et jouer contre les Celtics qui sont un petit peu blessés. Mais ils ont laissé aussi. Les Bucks, alors j'en parle même pas, ils ont pris une raclée, ils n'ont même pas joué. Donc un petit peu partout à l'Est,
On se demande s'il y a eu des calculs. Peu importe. Maintenant, le bilan est tombé. Ouais. Le verdict est tombé. On aura des confrontations quand même historiques déjà. Ouais, ça c'est sûr. Je vais commencer sûr. Conférence Est. Toronto-Washington. C'est une confrontation historique. C'est une confrontation qui, lors de ces dernières années, a déjà laissé des plumes. Ah, donc, il y a des contentieux qui vont être réglés une fois de plus. Et l'année dernière, on le disait, Boston était un premier. C'était un des rares premiers qui ne sont pas favoris. On se demande si Toronto est ultra favori sur cette série. John Wall revient au bon moment. Il n'est pas remis totalement, mais on a vu avec ses 29 points il y a 4 jours environ, je pense, qu'il a encore sa petite patte droite et sa main gauche toujours aussi agile, parce que lui, il est un peu ambidex avec ses mains. On ne sait pas, il tire de quelle main ou il fait quoi de quelle main, mais John Wall est en train de se remettre. L'équipe de Washington, ultra défensive quand elle veut, Otto Porter n'a pas joué, mais il se remet. Il sera prêt à temps. Bradley Beal, je n'en parle même pas. Gortat et toute et compagnie Oubre. Ça va être compliqué pour Toronto. Et c'est le type de série que je me dis, l'avantage du terrain comptera énormément. Mais si tu n'as pas peur, parce que voilà une série classique où deux matchs à domicile, t'en perds un, tu te mets dans de l'embarras total, pour ne pas dire dans de la M. Parce qu'on est... Donc, c'est ce type de série où le domicile, je ne sais pas si Washington est à l'abri à domicile face à Toronto. Ce sont pas des... À part les gardes du Nord, on sait bien qu'ils ont l'un des meilleurs publics en playoff, voire le meilleur, on va se le dire. Devant leur arène, les gens sont à l'extérieur, à l'intérieur, ça crie à tout va. Ils ont vraiment des supporters fervents. Ça va peut-être jouer en leur faveur. Et comme dans les autres années, hein, Toronto a toujours poussé dans les Game 7 contre les autres. Et c'est LeBron James qui les a éliminés. Donc, ouais, pour moi, Toronto, grâce à cet avantage du terrain et son public, pourrait s'en sortir. Mais attention à la peur du début. Ne pas laisser un des deux premiers matchs à domicile, voire les deux, dans une peur. Ça causerait beaucoup d'embarras avant d'aller jouer deux matchs à Washington. Heureusement que c'est deux. Je rappelle à nos auditeurs que c'est 2-2-1-1-1. C'est-à-dire deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur, un match à domicile, un match à l'extérieur et le dernier à domicile. Ce n'est pas la même formule que la finale qui est en 2-3-2-1. Ouais. En finale, si tu perds les deux à domicile, tu as trois matchs à jouer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment autre chose. Avant, c'était ça, mais ça a été changé depuis quelques années. La deuxième affiche maintenant, le deuxième contre le septième, Boston, ultra favori, a connu la pire nouvelle qui puisse leur arriver. C'est que leur leader, le deuxième leader recruté à coup médiatique cet été, le premier s'est blessé lors du début de saison. Et le deuxième est en fin de saison. Si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une malchance énormissime qu'ils vont faire face. Mais on peut faire confiance à cette équipe qui a réussi à réunir, à attirer du beau monde dans la saison. Kyrie Irving aura servi à ça au moins. On a vu que c'est une équipe qui construit à partir des jeunes. Ça aura réussi à attirer des roublards. Entre-temps, comme Monroe qui est venu là pour aider dedans, et on voit bien que, et aussi à renforcer les jeunes qui sont là, Tatum et Jalen Brown prennent des responsabilités depuis. On espère pour eux que Marcus Smart va revenir assez vite, parce qu'en l'absence de Kyrie Irving, c'est le leader de cette équipe, même en sa présence, c'était le leader de cette équipe. Ils en ont besoin. Le jumeau Maurice fait du super job. On peut se dire que face aux Bucks, ils sont tombés sur une confrontation de style différent. Ouais. Les Bucks jeunes et fougueux qui font du run and gun, qui ces derniers temps, ils marquent beaucoup de points. Ceux qui ont remarqué la fin de saison des Bucks, ils marquaient des 118, 120, 123, 112, 115, 118. Ils étaient au-dessus de 110 systématiquement. Ouais. À part cette dernière semaine où ils ont un peu levé le pied. Donc, ça va vraiment être un exercice défensif que Boston connaît. C'est leur boulot, ceux qui sont... Malheureusement, offensivement, ils perdent une arme de plus de 20 points de moyenne.
pour des playoffs, une arme qui aurait servi. On a hâte de voir comment offensivement ils vont gérer la chose. Parce que là, en face d'eux, ils ont une équipe qui va récupérer Michael Bogdan. Ils ont une équipe qui va récupérer peut-être assez vite de la Vedova. Ils ont une équipe dont l'infirmerie va se vider. Et on sait que Jabari Parker est là cette fois-ci. Donc, on va bien voir comment Boston va essayer de fermer le jeu. Mais pour moi, le malheur à eux s'ils essayent de jouer un jeu offensif. Parce que les Bucks, pour moi, ont plus d'armes offensives que eux actuellement. Ouais. Mais Boston, c'est Boston. C'est le Garden. Moi, je donne un léger avantage grâce à cet avantage du terrain aussi à Boston. Ouais. Mais grosse série, une fois de plus, qui va être très compliquée, plus compliquée qu'on ne le pense, vu que Boston a essuyé trop de blessures. Sinon, normalement, ils auraient balayé les Bucks en 4-1 ou 4-0. Ouais, ouais, malheureusement, les choses ont changé. Mmh. Troisième série, le troisième face au sixième. Je pense que c'est, pour moi, le plus dur tirage que les Sixers auraient pu avoir. Pour la simple et bonne raison, c'est Le Heat de Miami. Mais ils tombent sur le Heat de Miami, une tradition de play-off. Tradition de play-off. Même l'année dernière, au plus mal, ils ont quand même réussi à aller en play-off. Et le Dwayne Wade est revenu, monsieur play-off. Ils ont Dragic dans l'expérience. Je ne sais pas si Dion Waiters va être remis pendant cette série. Ce serait une nouvelle complication pour les Sixers. Le seul truc qui, pour moi, peut aider les Sixers, c'est que Miami n'est plus l'équipe défensive qui ferme le jeu qu'on voyait avant. Miami a l'un des meilleurs tireurs à 3 points de la ligue, leur artilleur qui a fait le concours à 3 points là. Miami a un jeu qui est un peu plus léché, c'est agréable à jouer, mais en leur défaveur, ils verrouillent moins défensivement qu'on ne les a connus les derniers mois. Donc ça peut permettre un jeu plus ouvert. Oui, voilà. Bon, mais c'est surtout que les Sixers ont besoin d'un jeu ouvert, parce que les Sixers, sur une défense qui ferme, une défense type Spurs ou bien ancien Miami, ou Boston, ça peut être dangereux pour les Sixers, parce que les Sixers, sans leur adresse et sans leur meilleur défenseur qui est blessé, c'est plus compliqué pour eux. Le jour où ils sont en panne, les Sixers, pour moi, sont les Warriors de 2015. Voilà pourquoi je pense même que cette surprise est possible jusqu'au bout, parce que en fin de saison, personne n'attendait les Warriors. Ils disaient, ils jouent bien, ils enchaînent, ils marquent beaucoup de points, ils sont à droit à 3 points, et au final, ils sont arrivés au bout. Mm-hmm. Au final, ils sont arrivés au bout, on a dit, waouh. Ils sont arrivés au bout. Et c'est ça, ils ont des arrières qui tirent de folie chez les Sixers. Ils ont des intermédiaires, des postes 3, on n'en parle même plus, de Ben Simmons, qui est délégué un petit peu de la main, vu que maintenant Markel est là, que Bellinelli peut le faire, que même leur tireur fou là, qui est venu des Clippers, j'oublie son nom, peut aussi le faire. Donc, il n'est pas obligé de porter systématiquement le ballon. Il peut aller donner son rôle de poste 3, c'est-à-dire l'accordéon entre les extérieurs et l'intérieur. Et une fois qu'il est dedans, avec sa grosse détente, c'est quasiment impossible de le contenir sans faire faute. Ouais. Donc, c'est une grosse, grosse série. Je ne pense pas qu'il y aura un suite dans cette série. Mais une fois de plus, je pense pour moi que l'avantage du terrain, je ne sais pas ce que vous en pensez, va jouer énormément, parce que les Sixers à domicile sont actuellement incontrôlables. Les Sixers ne mettent pas moins de 118 à 120 points actuellement, peu importe l'équipe en face. Ouais. Donc, est-ce que Wade et ses gars vont essayer de baisser le tempo du match pour jouer les 24 secondes et calmer le jeu pour que les Sixers soient moins en vitesse? On verra bien, on aura un premier aperçu. Mais attention quand même aux Sixers, ne pas avoir la peur de ces playoffs, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas arrivés, et poursuivre sur leur lancée tout bêtement. Ils sont ambitieux, mais ils sont aussi joyeux, ils font leur jeu, ils ne se prennent pas la tête. S'ils continuent comme ça, normalement les deux premiers matchs devraient être acquis et la pression serait du côté de Miami. Mais Miami joue sans pression ce tour des playoffs. Le quatrième match, pour aller plus vite, c'est pour moi la confrontation la plus équilibrée. De toute façon, les 4 contre 5e,
c'est toujours équilibré. Et contrairement à ce qu'on disait, l'année dernière, je l'ai dit, on m'a pris pour un fou. La confrontation la plus dure de LeBron James était face aux Pacers, finalement. Ouais. C'est l'état le plus basketballistique des États-Unis. Ceux qui ne le savent pas, l'Indiana est l'état où on joue plus de basket aux États-Unis. C'est la tradition par excellence des playoffs et aussi des moments chauds. Il s'est tout passé là-bas. Avec depuis Reggie Miller, avec tous les autres, les Jalen Rose et tout le et tous ceux qui sont passés là-bas, les playoffs à Indianapolis ne sont jamais simples. Et LeBron James, le sait, l'année dernière, il a perdu un match contre, je sais pas, il les a suivis, mais le contenu des matchs était tellement âpre qu'au final, dès qu'il les a passés, il s'est baladé. Il a juste perdu un match contre Boston. Mais je le redis. Cette année, les Pacers mènent 3-1 dans les confrontations. Je me rappelle, en pleine saison, on se demandait, même si ce n'est pas leur bête noire, parce que Oladipo, Miles Turner et Thaddeus Young et Bogdanovic et tout le reste, ils sont allés prendre des matchs à Cleveland et ils leur ont infligé 3 défaites sur 4 matchs. Ouais. Ce sont les Pacers qui ont plus fait perdre Cleveland cette année. On me dira 2 confrontations, c'était pas l'équipe actuelle. Mais ils savent jouer contre Cleveland. Pour l'instant, ils l'ont prouvé. Est-ce qu'en playoff, cette nouvelle équipe qui n'a plus de blessés, l'infirmerie est vide. Ils ont récupéré tout le monde. Ils ont des arrières jusqu'aux intérieurs. On se demandait si en même temps... l'ancien là qui l'ancien pivot Al Jefferson, le Big Al, ouais, serait Al enfin Jefferson, ouais. Il est là, il est sorti de l'infirmerie pour son expérience. Et c'est là où je dis, Phil, je voulais en parler l'autre jour, ce fameux échange. Les Pacers ont fait mieux que la saison dernière en laissant partir Paul George. Ouais. Parfois, un front office travaille. On a crié au scandale. Que va devenir cette franchise? On parlait de reconstruire. Reconstruction, c'est ce que je disais. Je me rappelle plus tôt dans la saison que les Clippers vont devoir passer par là et tout, qu'il y a plein d'équipes qui vont devoir passer comme les Pacers ont fait, comme Phoenix essaye de faire. Ils vont devoir bazarder des trucs pour repartir à la base. Mais les Pacers, c'est allé très vite parce que finalement, tu sens que c'est quand même un front office qui a de l'œil. Ouais. Parce que finalement, cette équipe n'est jamais morte et n'a même pas eu le temps de mourir, a fait mieux que la saison dernière. Sabonis et Oladipo ont poussé cette équipe vers le haut. Ouais. Trevor Booker et Bogdanovic, qui étaient la machine des New Jersey Nets, on l'a encore vu championnat du monde, ont élevé. Corey Joseph est encore là. On se demande même Darren Collison, comment ils l'ont eu en plus. Glenn Robinson 3 pour l'instant même, il sort de l'infirmerie, mais ça va être un problème. Donc on voit bien qu'ils ont du bon monde, des revanchards. Je vous dis que si Miles Turner ne se blesse pas, et avec ce Sabonis et Al Jefferson, plus Thaddeus Young, ils ont peut-être l'un des meilleurs effectifs en poste 5-4 dans leur raquette. Ouais. C'est de l'athlétisme et c'est de l'adresse. Donc, de toute façon, ils vont dominer les Cavs dedans. Les Cavs vont devoir dominer à l'extérieur. Ça va être l'objectif de ce truc, parce que Thaddeus Young, qui joue en 3-4, en stretch 4, sera son boulot sur LeBron James, mais Bogdanovic aussi, ils ont au moins 2 joueurs qui peuvent se relayer. Sabonis joue en 3-4, voire 5. Donc, ouais. Ils sont polyvalents. Ils sont très polyvalents. Attention, grosse série. Si les Cavs passent, ce sera peut-être cet avantage du terrain qui va les sauver. Mais je peux vous dire déjà un truc, je ne suis pas devin. Mais de ce que j'ai vu dans la saison, j'ai essayé de me ressasser les matchs. Ouais. Les Pacers partiront de Cleveland avec un match déjà. Donc, Cleveland va devoir jouer à l'extérieur comme des champions. LeBron James sait le faire. Le déplacement ne lui fait pas peur, mais est-ce qu'autour de lui ça va tenir? Tristan il a dit Thompson lui-même, c'est une toute nouvelle équipe, hein. Il l'a dit, il n'y a que 3 joueurs. Et pour moi, je pense que les Cavs ont évité le Miami Heat.
qui leur a, la seule équipe qui ces dernières semaines leur a fait marquer moins de 80 points parce que Miami a du répondant et dans les match-up c'est compliqué, mais ils prennent pour moi la plus mauvaise équipe parce que c'est celle qui les a dominés dans la saison. En évitant Miami, ils prennent Indianapolis. Et pour moi, Indiana, cette série, les Cavs vont devoir savoir gagner à l'extérieur. Normalement, quand tu as l'avantage du terrain, tu te contentes de gagner chez toi. Si tu gagnes tous tes matchs, tu es sûr de passer. C'est ce que Toronto fait depuis quelques années. Au moins, ils gagnent leur match chez eux et ils passent. Sauf que les Cavs vont devoir gagner un match à l'extérieur parce que pour moi, les deux premiers matchs à domicile, c'est la pression. Et je pense que Indianapolis va prendre un match chez les Cavs et là la série sera très chaude. Mmh. Je ne sais pas à qui donner l'avantage. Je pense que LeBron James est peut-être le facteur clé qui donne l'avantage à Cleveland. Mais LeBron James, sa série de premier tour sera plus dure que celle du second round. Mmh. Parce que je le vois plus facilement battre au deuxième tour Toronto ou au Washington que les Pacers. Donc peut-être c'est là qu'il va tout donner parce que ça se joue là dès le premier round. Maintenant, conférence Ouest rapidement. Je pense que Minnesota et les matchs Minnesota contre Denver ils nous ont offert un très beau final. Mais en même temps, c'était un final pour voir le premier éliminé de ces playoffs. J'ai pas envie de me moquer des supporters de Minnesota qui est une très belle équipe. Ouais. Mais juste une présence en playoff, ce qui est déjà très bien pour la billetterie et pour l'histoire du club. Ils n'ont rien à perdre, c'est ça qui peut les avantager. Wow. Et enfin, Luc est peut-être blessé, mais Minnesota a la plus mauvaise défense de tous ses playoffs, de tous ses qualifiés, en tout cas pour les playoffs. Minnesota à l'extérieur, c'est une catastrophe défensive. C'est une catastrophe. Toute l'année, je les ai regardés parce que j'aime leur jeu offensif. Ça marque des points. Ouais. Mais défensivement, c'est une équipe qui, sur la côte Est, qui marque moins, a réussi à prendre des 120, 125, 118, 115 points. Et en déplacement, c'est une vraie catastrophe. Et j'ai peur pour eux que, comme ils tombent sur la meilleure attaque de la Ligue, qui elle-même a su un peu défendre cette année, malheureusement, Minnesota a la chance que Luc ne sera pas là pour diminuer Butler, parce que dès que tu diminues Wiggins et Butler un peu, le tour est joué. Mais il y a d'autres personnes dans cet effectif de Houston qui va juste faire sortir Ryan Anderson d'ici dimanche de l'infirmerie, sera au complet à part Luc. Mais je pense que Luc dans la série reviendra. Je pense pour moi que les Wolves vont prendre une volée de 4-0 ou 4-1. C'est entre 4-0 et 4-1. Ouais. Pour eux, leur seule chance serait que Chris Paul et Harden tremblent en playoff. Mais en général, on a dit qu'ils ont tremblé dans le passé. Mais ils n'étaient pas ensemble dans la même équipe. Et aussi, ce n'était pas contre les Wolves, c'était contre autre chose. Ouais. Donc, grosse série quand même parce qu'il y a des beaux noms, qu'il y a beaucoup de All-Stars sur le terrain. Mais je pense que dans le contenu, ça peut être dur sur certains matchs, mais Houston s'en sort à l'aise. J'ai même pas envie de m'attarder plus que ça parce que le deuxième contre le septième, c'était malheur à celui qui rencontre les Spurs. On l'a dit, fatigué, malheur à celui qui rencontre les Spurs. Le malheur a frappé aux Warriors en plus parce que leur leader n'est pas là. Les Warriors auraient aimé que la Nouvelle-Orléans recule et que les Spurs gagnent ce dernier match et que ce soit la Nouvelle-Orléans qui eux aussi sont sans DeMarcus Cousins. Donc, et en plus, ils ont d'autres joueurs qui... L'infirmerie, l'ancien joueur des Warriors, là, Yann Truc, il est un peu en délicatesse. Mais Yann Clark, il est pas en délicatesse. Yann Clark, oui. Mais le malheur a frappé à la porte des Warriors. Je peux vous garantir qu'il y a des chances que... Parce que quand il disait que Steph Curry ne jouerait pas le premier round, c'était pour qu'il soit totalement à 200% prêt. Mais il sera prêt pendant ce round. Il y a des chances que si les Warriors ne prennent pas les deux premiers matchs à domicile, il y a une revanche dans l'air de la saison dernière.
Ils n'ont pas besoin de Kawhi Leonard pour savoir qu'il y a une revanche dans l'air de cette finale de conférence. Ouais. C'était tout ce qu'il ne fallait pas aux Warriors pour ce premier tour. Je pense que même au OKC, ils auraient pu gérer. Mais les Spurs ont montré face au gros. Ils sont allés à Cleveland briser Cleveland. Ils ont brisé Houston il y a encore 10 jours. Quand il fallait le faire, défensivement, ils leur ont montré. Les Warriors vont... Ce sera une série défensive, alors qu'avec les Warriors, c'est plutôt offensif. Parce que les Warriors ont du répondant défensif qui risque de sortir de blessures. Mais malheureusement, pour une première série, ce ne sera pas de la promenade. Un peu à l'instar de Cleveland, les deux anciens finalistes vont devoir cravacher dur. Je pense que les Warriors peuvent passer cette série en 4-2. Ouais. Malheur à eux s'ils laissent un match à domicile juste. Mmh. Malheur à eux parce que du côté de San Antonio, ils sont attendus. San Antonio, ouais, défensivement, une pression. La clé, de toute façon, on le sait. Kevin Durant et Klay Thompson. Klay Thompson qui est en délicatesse, mais qui est un facteur X. On sait bien que sur un match, il peut t'en mettre 50, comme n'en mettre que 15 sur le match suivant. Kevin Durant va devoir tourner à plus de 35 points de moyenne dans cette série. Et en face de lui, la Marcus Aldridge va devoir faire pareil. Parce que le autour d'eux, c'est un peu difficile. Et je pense que défensivement, on va enfin savoir si les Warriors ont fait des blagues aux gens ou s'ils attendaient vraiment les playoffs. Mais on ne sait pas où ils en sont. La fin de saison était tellement bizarre. Oui, mais si tu voulais dire quoi? Oui, je voulais juste dire que attention par rapport aux 35-40 points de Kevin Durant. Les derniers matchs là où il y a eu 5 matchs où il a marqué plus de 40 points et les Warriors sont quand même perdus. C'est bon. Faut trouver l'équilibre avec le banc. Le gros souci, c'est que ils auront besoin de ces points parce que la défense de San Antonio va effrayer le reste. On a vu contre Houston dernièrement, c'est ce qui attend les Warriors sur chaque match. Il va falloir que les stars montrent qu'ils sont stars dans ce type de rencontre. C'est pour ça que je dis LaMarcus, si LaMarcus est bien gêné, les Warriors n'auront même pas besoin de trop souffrir parce que les Spurs auront besoin de 25 à 30 points de moyenne de LaMarcus sur cette série. Parce que je vois très mal. Bon, on sait que Ginobili va venir semer le trouble par sa roublardise. C'est un homme des playoffs. On ne sait pas ce que Parker va faire pour peut-être ses derniers playoffs à San Antonio. Parce que je ne sais pas s'il sera conservé vu que ça tend vers la fin ou peut-être pris dans le staff. J'en sais rien du tout. Mais les derniers playoffs peut-être de Tony Parker, est-ce qu'il va élever le niveau? Mais ils ont beaucoup de jeunes là qui sont très très bons. Et attention aussi à Rudy Gay et Danny Green qui eux offensivement peuvent apporter facilement 15 points chacun. Donc de ce côté là ça va, mais Iguodala revient de blessure, il n'y a plus Caspi, Javali et là David West. Mais tout ça ce ne sont pas des marqueurs, ce sont des mecs qui vont élever le niveau défensif des Warriors. Pour moi c'est une série où il n'y aura pas le feu de Dieu offensif. Alors que normalement, les Warriors, ils te mettent au complet, ils te mettent 115 points de moyenne face aux Spurs. Mmh. Et là, il leur manque 26 points à 30 points qui seront blessés, qui seront assis. C'est ce différentiel qui peut aider les Spurs à tenir. Mais j'ai une intuition que comme face à Portland il y a 2 ans, le Kerr va devoir introduire son meneur qui sera prêt, peut-être pas à 100%, mais qui sera prêt au milieu de cette série. Il va devoir l'introduire pour apporter au moins 15 à 20 points pour se débarrasser de ses Spurs. J'ai cette intuition. Après, Phil, moi, c'est juste parce qu'on est dans le flou. Les Warriors, ils ont créé le flou dans la tête de leurs supporters et des joueurs adverses. Ouais. On ne sait pas où ils en sont par rapport à leur jeu de fin de saison. Mais comme Colin Cowherd disait, l'année dernière, en fin de saison, ils étaient aussi un peu dans le dur. Dès qu'on a sonné, ping, la sonnette des playoffs, ils ont marché sur tout le monde. Sauf que là, ils ont marché sur tout le monde quand ils étaient un petit peu avec Steph Curry. Là, on envoie sa blessure. Il est capable de revenir au Game 3 comme au Game 4. Et je pense que s'il mène 2-0 dans la série,
ils le feront pas rentrer avant un éventuel 2-2. Donc ça va, le but pour les Warriors, et je pense que cet avantage du terrain devrait les aider. Mais attention, Spurs voyagent très très bien. Ce sont tous des anciens, des Gasol, ils n'ont peur de rien du tout en voyage. Donc grosse série, c'est pour moi c'est le pire des tirages pour les Warriors. Donc on va assister à quelque chose de beau et qui va nous accrocher dès le premier match. Maintenant dans ce game, le troisième contre le sixième, c'était l'enjeu entre Utah et Portland. Mais entre Utah et Portland, ils ont voulu avoir l'avantage du terrain, surtout pour ne pas finir cinquième. Parce que le perdant pouvait sauter la quatrième et finir cinquième. Mais la série la plus offensive de cette conférence sera peut-être là. Parce que c'est tellement ouvert. La Nouvelle-Orléans a ce même problème que les Timberwolves ont. Sauf que la Nouvelle-Orléans arrive un petit peu à marquer plus que les Timberwolves. Parce qu'ils ont des mitraillettes offensives. Et encore, c'est la chance pour tout le monde que DeMarcus n'est pas là. Mais malgré ça, ils réussissent à mettre à minimum 112 à 115 points dans les matchs. Ils ont fait des matchs à 130 s'il le faut. Ils ont c'est déjà... Oui, mais si tu dis... Ils ont déjà un meilleur meneur de jeu en la personne de Rondo. Et puis, ils ont un deuxième arrière-meneur avec Jrue Holiday. C'est pas comparable. Voilà, ils ont vraiment une armada offensive. Le retour des Mecca Okafor, on pensait que c'était une blague. Mais il aide énormément dans le turnover. Il aide énormément. Mais Jrue Holiday, Mirotić a apporté près de 20 points. Il a compensé de moitié déjà, mais plus que de moitié le départ de DeMarcus. Voilà pourquoi cette équipe a quand même réussi à jouer les playoffs. Parce qu'au départ de DeMarcus, on ne vendait pas cher leur peau. On se disait comment ils vont faire. Solomon Hill, Yann Karl, Etuan Moore n'était pas attendu jusque-là. Mais Etuan Moore met des gros scores offensivement. Il n'a pas peur. Il y a un là, qui ressemble beaucoup à Eric Gordon, Darius Miller, qui est là. Alexis est blessé, certes, mais Liggins, qui était chez les Cavs, quand il entre sur le terrain, il accroche défensivement. Même si ce n'est pas leur force défensive, ils ont une armada de tireurs dont leur patron Anthony Davis. On peut se dire que c'est des playoffs où cette série sera facilement à 35-40 points de moyenne. En tout cas, il a une faculté à faire des stats que je n'ai presque jamais vu dans l'histoire de cette ligue. C'est une énorme faculté à faire ça. Rendez-vous compte que ça fait pas longtemps qu'il joue avec les Pelicans et il est déjà dans toutes les meilleures stades des Pelicans. Oui, c'est incroyable que Okonkwo c'est le meilleur contreur de la ligue. On oublie que c'est le meilleur contreur de cette ligue. Oui. C'est simplement le meilleur contreur de cette ligue. Et offensivement, je pense qu'il a le potentiel d'être le meilleur marqueur. Et que là, dans les moments chauds, il a un sang-froid énorme. Donc, cette série, Nurkić est peut-être la clé pour Portland pour débloquer les choses. On sait que Damian Lillard en playoff, c'est Mr. Money. Mr. Money in, c'est Damian Lillard. Damian Lillard va faire son boulot. Il va mettre les paniers en face. Il n'y a personne qui puisse défendre sur lui. Rondo ne va pas pouvoir contenir Lillard, mais il va. Rondo, c'est un intercepteur de premier choix, mais on ne contient pas Damian Lillard. On essaie de contenir les mecs autour. Donc, je pense que Nurkić, défensivement, pour limiter les intérieurs. Parce que là, il jouait 4 avant, Anthony Davis, mais il joue 5. Et c'est Mirotić qui décale en 4. Donc, ça va être vraiment chaud. J'espère que Mo Harkless n'aura pas des problèmes physiques comme il a actuellement, parce qu'ils en auront besoin. C'est une série plus équilibrée qu'on ne le pense. Je pense que Portland, dans leur arène, Portland va peut s'en sortir en 6 ou 7 matchs par rapport à leur avantage. Mais attention, c'est ce type de rencontre, comme je disais pour Toronto. Accueillir les deux premières rencontres, limite, si tu trembles, tu peux perdre les deux premiers matchs chez toi et tu t'en vas à l'extérieur maintenant jouer avec la pression. Donc Portland, attention, leur fin de saison n'est pas terrible. Ils ont montré quand même hier que
quand il faut se réveiller, il se réveille parce que face à un Utah qui était tout feu, tout flamme. Mais les stars seront de gala dans cette. Eh oui. Il va et falloir. Vas-y. Oui, il conclut après, mais si, vas-y. Ouais, donc la dernière, je voulais finir de toute façon en l'ordre. Vas-y. Le quatrième, cinquième, comme dans l'autre conférence, ça ressemble énormément à ce que j'ai dit pour Pacers contre Indiana, contre Cleveland. L'Oklahoma contre l'Utah. Deux états de basket. Oklahoma City, qui un état de basket de référence. Un public en playoff très très bouillant. Malheureusement, une équipe qui nous a fait peur cette année, tant sur le plan défensif général que sur les pannes offensives. Malheureusement pour eux, ils prennent une équipe qui est à l'instar des Sixers dans l'autre côté, mais bien plus défensive. L'Utah sait défendre et attaquer. Avant, ouais. L'Utah se reposait juste sur Gordon Hayward et celui qui est parti chez les Cavs, là, Rodney Hood. Ouais. Et maintenant, offensivement, Joe Ingles a step up. Pour moi, je l'ai dit dans les blagues, on s'est moqué de moi, que pour moi, c'est peut-être le MIP, Joe Ingles. Pourquoi pas Rubio? On a vu que Rubio est devenu un meneur. Rubio a Plus cette saison. Il score plus. Rubio et Parker étaient concurrents en Europe ici. Parker l'a laissé tellement de loin. Mais vers la fin de carrière, Rubio est en train de remonter d'une façon atroce. On se demande s'il a vieilli. Il a toujours sa même petite tête d'il y a 10 ans. Et Ricky Rubio s'est bonifié avec l'âge. Mais Phil, on oublie que cette équipe défensivement, j'espère pour les autres que Dante Exum ne va pas faire son retour à temps pour OKC. Mais ils ont Thabo Sefolosha blessé. Ils avaient une équipe tellement complète. Je ne sais pas quelle est l'actualité de sa blessure, si c'est out pour la saison. Mais attention, parce que Derek Favors et Rudy Gobert, c'est la raquette la plus défensive de la ligue. Ouais, Favors et Gobert, c'est la raquette la plus dissuasive de cette ligue. Les gens le savent peut-être pas. Ouais. Mais Favors, c'est celui que à la base les Cavs voulaient. Mais Derek Favors était intransférable là-bas. Intransférable. Parce qu'il fait un boulot énorme avec Gobert. Mmh. C'est une muraille. Donc, des mecs qui tenaient. Donc, je te pousse, hein, le doc. Je te pousse. Il faut qu'on ait des news. Vas-y. Et Russell Westbrook seront mal face à cette équipe. Jay Crowder, on se demandait s'il est fini, mais comme on l'a toujours dit, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu joues. Ouais. Un joueur n'est jamais fini, c'est son environnement qui peut le finir. Ouais. Donc, l'environnement de Jay Crowder tourne presque à 14 points de moyenne dans cette équipe et un avantage défensif terrible. Donc, ouais, tous, ils ont des two-way players, défensifs et offensifs, ils ont tout ce qu'il faut. J'ai peur que cette série aille en Game 7. J'espère vraiment que ça ira en Game 7 pour notre plaisir. Ça, c'est sûr. J'espère que Casey ne va pas se faire surprendre parce que ça sent la surprise à plein nez. Ah, oui. Pour moi, Mitchell n'a pas. On dit souvent que les rookies dans ces moments-là vont peut-être choquer ou avoir de la tremblote. Mitchell n'a pas l'état d'esprit d'un rookie. Donc, voilà. C'est pas sur lui qu'il faut compter pour choquer dans cette série. Donc, bon, j'espère vraiment. Ça va être très très chaud. Game 7 pour cette série, c'est ma prédiction. Après. Ouais. Ça va être très très chaud, Duncan P qui l'annonce. Hein. De toute façon, on est tous d'accord avec toi. Duncan P, ça va être très très intense. Beaucoup de suspense avec cette playoff qu'on va suivre de bout en bout. On n'a pas de préciser qu'on va commenter tout ça pendant les talk shows sur Radio Olympia Basket. J'enchaîne avec les news. Il y a quelques news qu'il faut que je diffuse rapidement avant de clôturer le show. Je sors le doc, vas-y. Je ne fais pas la pub de la NBA, hein. Loin de moi ça, mais je dis juste à tous les auditeurs, hein. On est là pour ça, hein. On est parti là pour la NBA, c'est notre travail. Effectivement, je le dis à nos auditeurs, depuis très longtemps, il n'y a pas eu un premier tour avec autant de gel équilibré. Ouais, depuis très longtemps, quasiment tous sont
plus ou moins équilibré. Équilibré. Allez, on enchaîne rapidement avec les dernières news avant de clôturer ce show. On va du côté des Wizards de Washington pour rappeler que les Wizards ont signé Ty Lawson pour ses playoffs. Hein. Ty Lawson qui rejoint donc les Wizards. Il a il a reçu sa lettre. Sa lettre de sortie hein, de la part de la Chine, on rappelle qu'il jouait en Chine, Ty Lawson. Donc les Chinois lui ont signé une lettre de sortie pour rejoindre les Wizards pour le reste de la saison, donc pour ses playoffs. Voilà, pour ses playoffs. On rappelle que en l'absence de John Wall, c'est lui qui va tenter de pousser un peu les choses du côté des Wizards. On va du côté des Knicks de New York pour rappeler. On a parlé hein, du départ hein, du coach. Jeff Hornacek, hein. Oh, et j'en avais déjà parlé bien avant. Déjà, je crois deux ou trois mois avant, j'en avais déjà parlé lorsqu'il y avait des rumeurs qui couraient sur le départ de Joakim Noah. J'avais dit non, ne croyez pas ça. Joakim Noah ne va sûrement pas partir. Il avait déjà refusé un buyout, donc il est là. Jeff Hornacek a donc été débarqué. Et donc voilà, Joakim Noah qui a pour lequel son contrat, il a encore 2 ans de contrat à 37 millions de dollars garantis. Donc Joakim Noah qui sera pour le training camp la saison prochaine. Donc les Knicks de New York qui sont en train de chercher un nouveau coach. Ils ont tapé à la porte de la NCAA du côté de Villanova pour essayer de débaucher Jay Wright. C'est ce que disent les sources, mais pour l'instant, Jay Wright n'a toujours rien signé. Il accorde encore beaucoup d'importance à son équipe de Villanova. Et bien entendu, il y a d'autres candidats du côté des Knicks, comme Jerry Stackhouse. On a parlé de Jerry Stackhouse du côté des Raptors de Toronto en NBA G League. Hein, on rappelle Jerry Stackhouse, hein, du côté de la NBA G League. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a d'autres candidats comme. Alors, il y a un candidat qui, pour lequel j'ai une petite interrogation, pas pour son talent, mais surtout parce qu'il n'est pas quelqu'un d'anodin, puisque c'est quand même le frère de Michelle Obama. Il s'agit de Craig Robinson, qui est le coach d'Oregon State, le head coach d'Oregon State, qui est le frère de Michelle Obama, qui est actuellement dans l'effectif de Knicks et qui pourrait postuler aussi pour ce poste de head coach. On va du côté des Clippers rapidement pour rappeler que Doc Rivers ne bouge pas. Doc Rivers reste aux Clippers de Los Angeles. Si vous pensez qu'il allait partir, vous vous êtes trompé. Il va bien rester. Par contre, et Dave Jorger du côté des Kings de Sacramento va aussi rester. Ils seront donc les deux seront donc là la saison prochaine. Du côté du Magic, le Magic s'est séparé de Frank Vogel. Ils ont viré leur head coach et ils sont en train de chercher un nouveau coach du côté du Magic d'Orlando. Les Magic qui regardent aussi du côté de Jerry Stackhouse au 905 Raptors et du côté de Jeff Weltman de ce côté-là. Alors on va du côté des Hornets pour parler de GM Mitch Kupchak, ex-GM des Lakers de Los Angeles qui pourrait signer aux Hornets de Charlotte. Il doit avoir une rencontre aujourd'hui ou demain pour finaliser la décision, pour avoir la décision finale de Mitch Kupchak. C'est Chris Mannix de Yahoo Sports qui donne rapidement l'info. On va du côté des Rockets pour parler de la signature du free agent de l'arrière Aaron Jackson qui signe aux Rockets. Les Rockets qui sont séparés de Tim Quaterman, donc voilà Tim Quaterman qui dégage et Aaron Gordon qui rentre. Donc voilà pour ces news. Missy, vas-y rapidement. Missy? Non, je disais c'est Aaron Jackson, oui, c'est bien ça. Attends, je reviens pour ma note là. Aaron Jackson, c'est bien ça. Aaron Jackson qui rejoint les Rockets de Houston. On arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Et donc, Anpi, merci d'avoir été sur le parquet. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et donc, Anpi, on sera de retour mardi prochain. Hein, mardi prochain pour The Big NBA Show. Hmm. D'accord, pas de souci. De toute façon, les premiers matchs auront déjà eu lieu. Ah. Donc, on pourra déjà faire. On sera de retour mardi prochain. Merci, Missy, d'avoir été avec nous. Missy, ça nous a fait extrêmement plaisir. Missy, on se dit rendez-vous mardi prochain.
pour le prochain talk show. Là, voilà, les playoffs vont être lancés ce week-end. Ouais. Soyez très attentifs. Voilà. Soyez très attentifs. Regardez bien tout ça. Ça va être exceptionnel. Merci, mesdames et messieurs.